שלום עליכם, אני דור חזון עבדיה, דיבוד וקדיש, שאומר השליח ציבור קדיש, אין הקהל, חייבים לעמוד. כדי לענות אמן יהא שמר אבא מעומד. כר מנהל לשליח ציבור עולמי יקומוס וקדיש, כן יתגדל ויתגדל שמר אבא. אמר רבי אבדיר, יהא שמר אבא מברך. הנתון מודידי, אמן, יהא שמר אבא מברך. pas besoin de se mettre debout. Est-ce okay? que le chaliat Sibou, quand lui dit il y en a qui se mettent debout, et il y en a que... Non, alors là, d'après la halakha, même que quand tu réponds Yehéchemérabat, pas besoin, pas besoin de se mettre debout. Et c'est ainsi la halakha au niveau, le minak des Sephardim, comme le harizal. D'après le harizal, pas besoin de se mettre debout. Et par contre, les eux, quand ils entendent le Yehesh ils se mettent debout. Et si maintenant ils se trouvent dans une bête que dans la bête à Knesset, les quand eux, ils se mettent debout, lui, il ne va pas rester assis. Et puis, la majorité, si c'est pas presque toute la bête à elle va être debout. Et lui, il va rester assis. Et là, il peut faire comme eux. Et puis, il va rester debout après qu'il dit Yehesh parce qu'il faut savoir que l'alakha dit que quand tu te trouves debout et puis le kadish il commence tu n'as pas le droit de t'asseoir. Tu, tu dois rester debout. Comme ça c'est l'Alacha. Ce n'est pas le kavod. Ken Mishé, Ropsé, Lachmir, Alasmo, Anam que lui qui veut être rigoureux. Et il veut dire le kadish Debout avec tout le monde, répondre le Kaddish debout avec comme tout le monde. Il y en a qui disent que pas avec tout le monde. La majorité sont assis et puis il y en a un, deux qui veulent se mettre debout et lui maintenant il veut se mettre debout aussi. Alors, mirzeka Kayuara, qu'est-ce que ça veut dire mirzeka Kayuara ça veut dire que c'est de l'orgueil. Soit disant que toi tu es mieux que tout le monde. Ça, c'est une halakha que là, il faut faire très attention à cela. Mirzekoyahara. Un homme, lui, il se comporte comme il est mieux que les autres. Par exemple, il y a le Rav dans la Et lui, par exemple, il s'habille en blanc. Comme ça, il dit le dans le Il veut dire qu'il emmène un qu maassé avec Bak Et soi-disant, Bak lui, il ne marchait pas dans le. dans le. cheville, le derrière. Derrière, c'est un chemin, le chemin. De, de, et là, lui, il détournait le chemin. Et ça, c'était parce qu'il y avait Joshua Bin Nun, que lui, qu il a institué cela. Alors, il faut savoir que lui, il faisait cela, il faisait le tour, et puis il, il se remplissait de, 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 de boue et tout cela. Et puis maintenant, Rabbi Udan Nassi, il a dit à, à son Shamash il a dit, qui c'est celui-là qu'il fait C'est-à-dire que lui, il se comporte, soi-disant, plus euh, hasid, que Rabbi Et que Rabbi Oudan si, c'était le, 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 le gadolador. Alors il a dit ça c'est Bakapara. Ah Bakapara Avant ils ont fini, ils, ont, ils sont arrivés à, 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 à l'endroit. Il appelle Bakapara et dit viens ici. Il dit que si je ne savais pas que toi tu étais un, un qu'il était un homme très pieux, Hassid, eh ben, je t'aurais mis en, en quarantaine, en idouille. Ça veut dire que ce n'est pas évident, il faut faire très attention. Ah, on va dire, il emmène cela. Tu, on doit se comporter comme tout le monde. Il y a le Rav. Okay. Si maintenant lui, il n'est pas habillé en blanc, et toi tu veux t'habiller en blanc, Parce que, pourquoi Parce que tu es Mekoubal. Ça veut dire, le, 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 tout le danger qu'il y a d'après ceux-là qui commencent à étudier la Kabbalah, l'étude de la Kabbalah, il n'y a aucun problème d'étudier. Encore, je répète. Si Baruch HaShem, tu sais étudier la, la Gemara, tu es marié, tu sais étudier la halacha, tu as la tête sur les épaules, tu peux étudier la Kabbalah. Et pareil que cela, tu arrivé déjà à un âge, il ne faut pas attendre à l'âge de 40 ans. Des fois, un homme de 30 ans, c'est bon, il a la tête sur les épaules. Il est adulte, il est pas nerveux, nerveux, il a des bonnes midotes. Il va chez son rab, il pose la question à son rab. Encore, son rab, ça dépend qui c'est son rab. Si ce n'est pas un rab que lui, que il dit à chaque fois non, 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 assour, assour, assour on parle que maintenant, quelqu'un que lui, qu'il est positif de l'esprit, parce que Baruch aujourd'hui aujourd'hui, c'est pas ça qui manque des rabbinim, il y a beaucoup de rabbinim, mais chacun, il a, il a, il a son, son kivoun. il y en a qui disent, étudier rien que la chassidoute, il y en a qui étudient rien que la halakha, il y en a qui disent, pas de moussard, chacun, leur kivoun, leur, leur, leur chemin, qu'est-ce que nous, on ne dit pas notre opinion dans cela, que nous, comme il dit le Rambam, il faut diviser en trois parties ton limud. Et il ne faut pas oublier que le limud de Moussa, aussi le Reza dit ça, il faut que c'est au moins une heure par jour, minimum, 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 une heure par jour de Moussa. Parce que s'il n'y a pas de Moussa, alors le limud, je vous dis franchement, et Moussa avec un rave que lui qui est compétent est... Ok. Alors, au niveau de la Kabbalah, on peut étudier même qu'on a 30 ans. Pas besoin d'attendre 40 ans. ils ont dit 40 ans. Pourquoi ils ont dit 40 ans Parce que c'est parti dans tous les sens. Aujourd'hui, un homme qui, lui, qui fait chouva. Bon, Rachem Mazal Azaltov, il a fait chouva, C'est beau. Et il faut ses conseiller Et dès que lui, il a commencé à faire chouva, qu'est-ce qu'il fait Il commence maintenant à démarrer. À... Puisqu'il a, il a étudié une phrase par là, deux phrases par là de, de... de Mekoubalim. Et là, il commence à s'habiller comme ça. Et après qu'il commence à s'habiller, il commence à se comporter comme les Mekoubalim. Et maintenant, il va être cholek sur, sur les. cholek, ça veut dire qu'il va donner son avis, Et le contraire de David de Chachamim, etc., etc., etc. Okay? Et après, il va commencer à contredire tout le monde. Ça, c'est dangereux. Et il va commencer à faire des anagotes. Anagotes, ça veut dire de, des comportements des, des Mekoubalim. Bien, il va s'habiller comme il va y aller maintenant dans la forêt. Il se met en danger même quand il va dans la forêt. Il y a aussi des bêtes, il y a aussi des, 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 des gens qui ne sont pas trop corrects dans la forêt. Il se met en danger. Et il commence... Tout le monde, ils sont euh, déjà... Pour lui, ils sont négatifs. Et lui, c'est le, le plus positif. Comme ça, ça doit être. Etc. Etc. Et lui, ça part dans tous les sens. Avalsi, s'il étudie la Kabbalah comme il étudie Allah comme ça et comme ça et comme ça et comme ça et il reste normal, gentiment, avec la tête posée, sans trop s'envoler. Sans aucun problème. Il y a aucun problème. Mais il faut être. Il y a des conditions. Il faut qu'il ait des bonnes demi-dotes. Il faut qu'il ait mais... il étudie là, sait étudier la Gemara, il sait étudier la, gmara, il sait étudier la Parce qu'un homme connu qui veut être, il fait plus que qu'est-ce qu'elle dit là, ça, c'est un problème. L'alakha, il faut savoir l'alakha. Ma mutar, ma assou. Et il faut qu'il sache qu'est-ce que c'est mutar et qu'est-ce que c'est vraiment assou. Pas que dans toutes sortes de il dit assou, 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 assou. Des fois, il n'y a aucun problème selon l'alakha. Elle lui dit assou, 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 assou. Kaddish. On doit être debout et rester debout celui-là qu'il a été debout. Celui-là qu'il est assis, tu restes assis. Si tu te trouves dans une bête à c'est que cette bête Knesset là maintenant. Ils sont tous debout, tu te mets debout. Michel, c'est un homme que lui veut être mahmir. Il veut être rigoureux, être debout quand on dit le kaddish. Ça, mirze ça veut dire que tu fais montrer que tu es mieux que les autres, ken? C'est mieux de, que tu t'assoies tu et tu fais rien du tout. Ça veut dire, parce que tu es dans un autre, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Mais il y en a qui ont un minag, que quand euh, ils entendent qu'il y a le kadish, alors ils font comme ça. Et ceux-là qui veulent faire comme ça, ils peuvent... Ils ont ceux qui kaddish. Et si par exemple, quelqu'un qu'il était assis au milieu du kadish et puis il y avait un Zaken, un vieux, qui, ou un Tamid qui passe. Il faut savoir que si c'est un vieux, il y a un Tamid raham, il faut se mettre debout. Et là, maintenant, il s'est mis debout. Et voilà, il a entendu le kadish. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fait Il faut qu'il reste debout. Il ne faut pas qu'il s'assoie. Bien. Mais quand le Imlo, Ahmad, ou mais si maintenant il a fait, c'est pas mis debout, et là, il comme on a dit, il a fait comme ça, peut, tu peux te rasseoir, parce que tu sors que tu ça s'est fait presque assis. Mais entre parenthèses, je dis, la hal elle est, quand il y a un vieux, qu'est-ce que ça veut dire, un vieux machro est entre le pshat et la kabbalah. d'après le pshat. C'est euh, 70 ans. Après la Kabbalah, c'est 60 ans. Si tu vois un vieux qui, lui, qui a plus que 70 ans, tu dois te lever. Ça veut dire que tu te mets debout. Debout, même un tamid que Quand qui est tamid rachab, un rab de la Bet Knesset, tu dois te mettre debout. Ça dépend quel... si c'est lui, c'est un tamid rahab. Si toi, tu es tamid rachab, tu n'as pas besoin de te lever debout devant un tamid rachab. Aval! C'est bien, c'est conseillé que si maintenant le Tamil Chacham, c'est un, un Tamil Chacham, alors toi tu, tu te mets debout, comme il faisait Rabbouna. Rabbouna, elle dit, dit que quand, il avait, quand lui il était un peu fatigué, il se mettait devant la porte, devant l'entrée du Tamil de Chacham. Pourquoi Parce que les gens qui rentraient, puisque c'est un Tamil Chacham, il se met debout. Il dit pourquoi Il dit parce que je suis fatigué là maintenant. Au moins, moi, je gagne euh, la mitzvah de se lever debout. Un homme que lui qui sait pas qu'il était debout, d'un coup il s'assoit, maintenant tu lui dis hey, Lève-toi, lève qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu es assis Il dit Il faut, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de réprimander quelqu'un, parce que des fois ça va lui, ça va lui faire de la honte. Le seulement si maintenant toi tu sais clair que lui, qui est, il n'est pas rigoureux, il n'est pas Makpi. Makpi, ça veut dire qu'il n'est pas euh, euh, pointué dans cela. Ça veut dire qu'il ne va pas maintenant te, te regarder de travers. Alors là, tu peux lui dire, reste debout. C'est très, très, très difficile faire très attention à cela, de réprimander quelqu'un, parce que tu peux, et encore devant les, tout, tout le monde. C'est mieux des fois de, de, de se taire que de, faire, que de, de, de réprimander quelqu'un. Oui de réprimander, qu'il parle dans la bête Quand il parle dans la bête il faut réprimander, oui. Il faut dire aux gens, excuse-moi mon frère, tu sais, le parler c'est grave. « Anouagim l'ma'a kadich benigoun niachad ima shalia sibour kshem yoshvim bim komam el minagam nachon vera'oui levatlo kya davar nira'ak eklut rosh vetsarich l'oriklam daken noam » Il dit, un homme que lui qui dit avec le chalet tzibou, le chalet tzibou, lui, il commence, il fait avec le chant. Maintenant, il fait, il fait le chant, et maintenant, toi, tu fais avec lui, tu chantes avec lui. Ça, il ne faut pas. Tu es censé de répondre, le, le, le Kaddish, et de terminer jusqu'à d'amiram Ram avant que lui ait dit d'amiram Ram Be'Alma, v'y'moi, Amen. Si tu peux, avant de dire Shemene Kuchaberehu, avant que le Shalat Sibou ait dit Shemene toi tu dis Amen. Shemene Kuchaberehu, toi tu as fini déjà les d'amiram Ram Be'Alma, bah, d'ailleurs que ça c'est mieux, tu as gagné les, les 28 euh, mots, et tu as répondu Amen à Kuchaberehu. On t'a gagné. Aval, il faut, faut faire très attention de pas chanter avec le chaliat sibou. Pourquoi ça fait, regardez ça, ce n'est pas trop trop évident cela. Les gens, ils ne comprennent pas. Les gens, ils disent, ah tu vois, lui, il a une belle voix, alors je vais l'abîmer de la, la belle voix, c'est rien que second. Secondaire. secondaire. Et pas les chatri Et pas a priori. Il faut que le chali sibou il a ira chamaim. Il faut que le Chali il connaisse la chote du Chali Artsibou. Quand il y a milre, Milra, Milael, il faut savoir quand, lui, quand tu dois appuyer à la fin du mot ou au début du, de, 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 du mot. Il faut savoir que lui connaît quand est le, le Aïn et le alef, le Hé, pas Vi Allélu. Dans la Midan, on dit Vi Allélu, très important. Vi Allélu, ça veut dire c'est. Les idoles. Vi, il faut dire. Bim, héra, pas bim, héra. Bim, c'est vite. Bim, héra, c'est quoi C'est malédiction. Alors, il faut, ça, oui, il faut faire attention que le Sharia sibou. maintenant, lui, il fait bien comme il faut, la tfila. Et pas que lui, il a une belle voix. Des fois, il a une belle voix. Okay. Mais en fin de compte, il sait pas être un bon Sharia sibou. Il sait pas. Ça s'apprend. Il faut aussi que lui qui n'a pas des averot, etc. Chazakobo.